Spectacle de désolation ce matin à Kievrechain. Habituellement, plusieurs dizaines de personnes fréquentent cette piscine le dimanche. Et si les bassins n'ont pas été endommagés, c'est tout l'accueil, les vestiaires et les bureaux administratifs qui ont été détruits. Le feu a donc pris cette nuit vers 2h30 du matin. Et pour l'instant, tout converge pour un acte criminel. Plusieurs éléments sur le sujet, sur la prise criminelle, oui, parce que plusieurs départs de feu dans l'équipement. Il y a eu aussi des liquides inflammables qui ont été retrouvés et qui ont été épandus à certains niveaux de l'équipement, aux endroits qui ont été les plus brûlés finalement. Et puis d'autres éléments là, qui viennent nous conforter, notamment avec la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, qui viennent conforter aussi les témoignages des pompiers qui étaient arrivés en premier sur les lieux et qui avaient constaté qu'il y avait des gens qui traînaient autour de l'équipement. D'autant qu'une vidéo traîne depuis cette nuit sur les réseaux sociaux. On y voit des individus filmer cet incendie et s'en réjouir. Une enquête est donc ouverte, mais la priorité est de réorganiser les sorties scolaires. En effet, des centaines de personnes, de collégiens, avaient l'habitude de venir ici à la piscine de Kievrechain.